Pierrot, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai. C'est bien ton frère, ça, hein? Parce que c'est pas ton frère, peut-être? Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère. C'est pas comme si je me marie tous les jours. Bon, en même temps, c'est la troisième fois. Arrête. Il est 14h. Ouais, j'ai eu que des galères. Franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra? Sarah. Sarah? Je veux plus jamais que tu lui parles. T'imagines, toi? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oublies le nom de sa femme. Merde, écoute, franchement, Sandra, Sarah... Si, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Oh là, non, tu t'emballes. Je n'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Je vous dis que je suis amoureuse. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai des têtes d'enterrement, là. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Non, mais ça va, ils sont morts, hein, ça change rien. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui? Avec sa mère. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi maintenant? Au prix où vous me jetez, j'ai droit à quelques insultes. Connard. Pardon? Je signe où, fils de pute? Mon stylo. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit? Je ne suis pas qu'un opticien. Je suis ton grand frère, merde. Ça joue tout le temps en grand frère avec toi, mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard? La famille va s'agrandir. Oh, génial. Ah bon, mais qui? Bah tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes.